Good morgen, allez, Iden Letus sur aujourd'hui, le Nishmat Avam Chayin Orbe Ben Fortuné, Mazal, Izid Lob et Esther Yaakov Nissim Ben Chana, et Machlouf Micha Ben Masouda, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Ketout, Perek Gimel, Mishnah Bet, Achal Chelev Vechelev Behelem Echad, et Nochayav Elachatat Echat. Achal Chelev Vedam Venotar ou Pigoul Behelem Echad, Chayav Al Kol Echad Vechad, Ze Chomer Beminin Harbe Mimin Echad, Ve Chomer Bemin Echad Miminin Harbe, Shimachal kachatizait. Le chazar va achal kachatizait, mimin echad. Chayav. Mishne minim, patour. À partir de notre Mishnah, et maintenant pour un bon morceau, un bon tronçon de la Masechet, on va à présent découvrir toutes sortes de situations où, en faisant une action, on va être passible de plusieurs interdits. En faisant plusieurs interdits, on va être passible d'un seul korban. Ouais, ça va être un petit peu le principe de dénombrer le nombre de korbanot à apporter selon différentes situations. On commence de manière très facile avec, on va introduire une notion qui s'appelle Achal Chelev Vechelev Be'elem Echad. Il a mangé une graisse interdite et encore une fois il a mangé une deuxième fois une graisse interdite, mais tout ça c'était Be'elem Echad, dans un seul oubli. Eno Chayav Ela Chatat Echad, il devra dans ce cas-là porter un seul korban Chatat. Tandis que Achal Chelev Vedam Venotar Pigul Be'elem Echad, par contre, s'il a mangé une graisse interdite, et il a bu du sang, et il a mangé un morceau de notar, un reste de corban qui a passé son temps permis, ou pigoul, un corban qui a été répugné parce qu'il a mal, il a été offert au Beth Amikdash avec de mauvaises intentions. Et tout ça, ça s'est passé Behelem Echad, avec un seul oubli, un seul moment d'étourdissement. Et bien malgré tout, Chayav, Alkol, Echad, Vechad, il sera passible pour chacun de ces interdits. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux, c'est très simple. On peut même parler de Shabbat, c'est le même principe. Imaginez à Shabbat, quelqu'un qui oublie que c'était Shabbat. Et du coup, il a plusieurs fois fumé une cigarette. Et on va prendre aussi un cas de Mavir où il a allumé du feu. Il a allumé un feu pour se faire cuire à manger. Je ne parle pas qu'il a fait cuire parce que c'est encore autre chose. Il a allumé le feu pour faire cuire à manger. Et il s'est allumé aussi une cigarette. Et plusieurs cigarettes même. Eh bien, tout ça, il a transgressé un seul interdit, d'allumer le feu à Shabbat. Tout ça, c'est dans un seul oubli. De ce fait, lorsqu'il devra apporter un korban khatat, il apportera un korban khatat sur tout ce qu'il a fait. Même principe avec la consommation. Bien que, concrètement, lorsque la Torah nous dit « tu ne mangeras pas de graisse interdite », alors on transgresse à chaque fois, à chaque nouveau morceau de zaït, chaque nouveau volume d'une olive que l'on mange, on transgresse de nouveau un interdit. Mais puisque tous ces interdits ont été faits dans une seule lancée, dans une seule situation d'oubli, on a oublié que c'est une graisse interdite. On a oublié que la Torah l'interdit de manger une graisse interdite même. Et bien dans ce cas-là, on apportera un seul korban khatat. Si, à exclure, si toutefois on réalise qu'on a mangé une graisse interdite. Et puis après, on n'a plus oublié que c'était interdit de manger une graisse interdite, mais on a oublié que ce morceau de graisse, c'était aussi une graisse interdite. On a transgressé une deuxième fois l'interdit. En fait, on a eu un deuxième oubli. Alors dans ce cas-là, on apportera deux corbanotes, même si c'est un seul interdit. Parce que le fait d'avoir pris connaissance au milieu interrompt le fait, comment dire, sectionne le nombre d'interdits que j'ai fait. Le nombre de interdits que j'ai fait, c'est pas le bon mot, parce que chaque kazaït, il est de nouveau interdit. Mais sectionne malgré tout le devoir d'apporter un corban sur ma consommation. D'accord ? Maintenant, lorsque j'ai oublié l'interdit de manger du chélève, et que j'ai mangé même pendant 3 semaines, 1 mois, tous les jours même, à tous les repas, j'ai mangé de la graisse, j'ai apporté pour tous un seul corban. Pourquoi? Parce que tout s'est produit behelem echad, dans un seul oubli. Par contre, lorsque j'ai transgressé plusieurs interdits dans un seul moment d'étourdissement, ça peut même être, parce que tout est de la même cause, oui. On peut réaliser, par exemple, je savais très bien qu'il y avait 4 morceaux de viande dans la cuisine qu'il ne fallait surtout pas toucher. Un c'était Chelev, et l'autre c'était Dam, et l'autre c'était Pigoul et Notar. Et je me suis dit, bon, ceux-là il ne faut pas les manger, mais l'autre casserole je peux les manger. Et en fait, dans l'autre casserole, c'était mieux que le contraire, j'ai mangé la mauvaise casserole. Et donc je les ai tous fait passer un après l'autre. Dans ce cas-là, même si c'est un seul oubli, vous allez me dire, ben non, il y a 4 interdits, tu apporteras 4 korbanot sur les 4 interdits, d'accord? Et on continue la Mishnah. Zechomer, Beminin Harbe, Mimin Echad. Telle est la situation où tu as vu que pour plusieurs espèces, on est plus strict que si c'était une seule espèce. Puisque lorsqu'il y a 4 sortes d'interdits, tu seras passible de 4 korbanot, alors que si c'est une seule sorte d'interdit, même
Même si tu l'as mangé plusieurs fois, tu as apporté un corban. Donc, tu remarques donc que l'on est beaucoup plus strict lorsque tu transgresses 4 interdits par rapport au cas où tu transgresses un seul interdit. Par contre, il y a aussi le cas inverse. Le chomer bemin echad mimin arbe. Sache aussi que parfois, on va être plus strict sur toi lorsque tu vas manger une seule espèce, plus que si tu vas manger plusieurs espèces. Comment est le cas? Parce que s'il a mangé un demi-volume d'olive d'une espèce, et après il a mangé un demi-volume d'olive d'une autre espèce, par exemple, il y avait une graisse interdite, il a mangé un demi-zaït, et puis après il y avait un morceau de reste de corban, que l'on a passé les limites de temps, donc il y a aussi un interdit carette pour celui qui le mange, il a mangé juste un demi-zaït. Donc, au final, tu as mangé un zaït entier, c'est très grave. C'est une quantité sur laquelle on est condamnable en temps normal. Donc, en théorie, tu devrais peut-être apporter un corban. Eh ben non, tu n'apporteras pas un corban. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit deux interdits fait que tu n'as pas fait un demi plus un demi, ça ne fait pas toujours un. Oui. Une demi-carotte et un demi-concombre, ça ne vous fait ni, ni une carotte ni un concombre. Je t'ai dit d'apporter un corban, ratat, lorsque tu as transgressé une entité d'interdit, mais pas lorsque tu as fait deux fois un demi-interdit. Et par contre, donc là, on est en train de chercher la réciproque, que si tu as mangé, regarde que dans ce cas-là, dans plusieurs mines, tu as fait le même interdit, tu as fait plusieurs espèces, tu as mangé un demi et un demi, ça ne s'associe, ça ne s'additionne pas. Tandis que, donc, si c'était d'une seule espèce, il est chayab. Mishneminin, pas tout. Si c'était de deux espèces, il est dispensé. C'est-à-dire, si c'était d'une seule espèce, mais pas que c'était qu'il avait la même assiette et que tu as mangé, puis après tu es revenu, tu as mangé une deuxième. Même si c'est moins, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, tu avais une viande que tu avais cuire à la poêle, et il y avait là-bas un demi-zaït, et la même viande interdite, tu l'as fait ensuite cuire aussi sur le gril, tu as fait un steak. T'as fait sur le gris viande, d'accord, en barbecue. Donc apparemment, il y a deux espèces. Il y a un bœuf bourguignon et un bœuf, d'accord, et un steak grillé. Et tout ça, c'est des viandes interdites, c'est des restes de notar. C'est un reste de corban que t'as dépassé les limites de temps. Donc là, on aurait pu croire que tamchouin mechalkin, ça s'appelle dans la Gemara, il y a une grande marque sur ça. Notre Mishnah est expliqué dans la Gemara de deux manières. Le Bartonin, il explique selon le vie qui pense que tamchouin est non mechalkin. Il y a un avis qui pense que selon, si tu vas prendre la même viande interdite et tu vas la faire cuire un peu en viande bouillie et un peu en viande grillée et un peu en viande frite, et d'accord, eh bien tu seras chayav sur chacun. Il y a un avis qui pense comme ça. Notre Mishnah va selon l'avis qui pense que non, même si tu l'as fait de plusieurs manières, tout ça, ça reste un seul interdit de la Torah et que dans ce cas-là, si tu as mangé un demi de là et un demi de là, ça s'additionne pour être passible du korban. Je recommence la phrase. Le but donc de la Mishnah, elle est de comparer. Le but de la fin de la Mishnah, elle est de comparer. Le cas, on est plus strict lorsque tu manges deux espèces par rapport à une, parce que dans un seul oubli, tu seras passible de deux, et là tu seras passible de un. Tandis qu'il y a aussi un cas inverse, au contraire, on sera plus strict lorsque tu vas manger une seule espèce, que si tu vas manger un demi plus un demi, ça va s'additionner pour faire un et apporter un corban, tandis que lorsque c'était deux espèces, donc ça fait un demi, ça ne va pas faire un, donc tu seras dispensé complètement de corban. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzachakol, tout, c'est là.